Donc, petit déj ce matin, un café XL avec du lait de riz, du coup ça c'est comme tous les matins, une belle tasse Jiffy. Et j'ai mis de la compote de pommes, genre sans sucre, un truc comme ça, avec du granola bio, avec des graines de courge, tout ça. Je vais faire ma to-do list du jour, je vous expliquerai un petit peu après ma journée, et avec des vidéos YouTube. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est le 17 ou 18 décembre, quelque chose comme ça, je viens de me réveiller. Aujourd'hui je n'ai pas cours, je suis trop heureuse. Donc on est ma dernière semaine de cours avant les vacances de Noël. J'ai mes parcelles qui sont à la rentrée. On a, si je vous avais déjà expliqué, mais en gros, il y a tous les rendus des TD qui se passent du coup cette semaine-là, du coup la dernière semaine. La semaine de la rentrée du coup c'est la semaine de partiel, du coup voilà, écrit etc. DCM. Et deux semaines après la rentrée, quelque chose comme ça, c'est le rendu projet qu'on fait depuis quasiment tout le semestre. Du coup, c'est quelque chose d'assez hard. Du coup, on a que ça et on a une semaine pour banaliser tout ça. Lundi, j'ai eu rendu de sociaux. Hier, j'ai eu mon dernier cours de projet toute la journée. Et demain, j'ai art plat, j'ai un rendu du coup. Et aujourd'hui, en fait, comme les CM sont terminés, je n'ai pas cours. Donc, je vais bosser à fond l'art plat. Et comme il ne manque pas grand chose non plus à faire, c'est cool parce que je vais pouvoir profiter ce matin. J'ai pu dormir jusqu'à 9h45. Un truc qui ne m'arrive jamais. Je vais faire beaucoup de ménage et après je vous prendrai pour vous faire un petit peu ma to-do list du jour. Je ne suis pas du tout productive. J'ai hyper la flemme de me lever pour ranger. Je suis là dans mon canap. Mais je crois que je vais pas avoir le choix là. Bon les gars, j'ai pas trop fini pendant que je faisais le ménage parce que je vous avoue que c'était un peu galère. Mais après je ferai la vaisselle. Mais du coup là j'ai passé l'aspi, j'ai tout nettoyé les tables etc. La salle de bain etc. Faudra juste que je nettoie la douche, mais ça je le ferai pendant que j'irai me doucher. Et je viens de passer le truc au sol, mais c'est vrai que ce sol là en fait c'est du PVC je crois. Et en mode c'est une galère à laver, je n'y arrive pas même avec de la Javel et tout. Enfin je sais pas, j'arrive pas à laver le sol, il y a des taches qui restent coincées. Mais du coup en fait en lavant ça a remis des saletés, donc je referai la poussière après par dessus. Pareil j'ai lavé la salle de bain, mais genre en fait il y a des taches de fond de teint sur ça. Et ça part pas, du coup c'est hyper chiant. Mais voilà du coup là je pense que je vais aller me préparer enfin. Parce que j'ai enfin fait le ménage et maintenant je me sens hyper crade. Alors je me suis habillée, je me suis maquillée, tout ça. Là ce que je vais faire du coup, j'ai fini ma to-do list, mais du coup en gros là je vais manger, filmer mes trois tenues, après je vais appeler Bouygues et après je vais aller à Starbucks ou une bibliothèque ou quelque chose pour bosser deux trucs pour leur plat et monter ma vidéo. Et ensuite quand je rentrerai voilà, j'aurai d'autres choses à faire. Mais du coup la première chose que je vais faire c'est que je vais manger, après je bougerai. J'ai fini de manger devant The Big Bang Theory et du coup maintenant je vais filmer en fait les trois tenues pour ma vidéo parce qu'en gros je fais une vidéo, d'ailleurs vous l'aurez peut-être déjà vu, mes tenues de la semaine et en fait il faisait trop moche lundi et mardi donc j'ai pas pu vous montrer mes tenues, du coup je vais vous montrer les trois ici, je les ai laissées là-bas, genre j'ai pas rangé mes tenues. Mais d'abord je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent, on est le 17 ou 18 aujourd'hui donc j'ai hâte de voir. On est le 18, je cherche, je suis beaucoup trop triste qu'il soit terminé ce calendrier de l'Avent bientôt parce que c'est là, parce qu'il est vraiment très 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 bien, genre l'an prochain obligé de le reprendre. MAC Blanti, ça doit être un blanchiment dentaire. Alors, non seulement je vous avoue que je n'y arrive pas. Alors, Whitening Polish, Mint Flavor, ah bah c'est bien. Il n'y a pas de blanchissante au charbon. C'est super cool ça. Je suis hyper contente. Je vais peut-être vous montrer tout ce que j'ai eu déjà. Mais ouais, je vais vous montrer comme ça tout ce que j'ai eu dans le calendrier. Mais j'avais eu du coup ça de chez Pixi, trop envie de tester. Voilà, une poudre translucide. Enfin, une poudre matifiante, mais libre, Too Faced, genre trop bien. Ça pareil, j'ai hyper envie de tester. Bon là il est cracra mais en gros
Le masque hydratant de nuit la neige à Skip, il est dingue, du coup j'ai trop hâte de le tester. J'ai eu un beauty blender, donc là j'ai juste la boîte, mais il est ici, il faut que je le lave. Et je l'ai utilisé ce matin, trop bien, parce qu'en plus mon beauty blender est dans un état horrible. Alors ça, je connais pas trop, je donnerai peut-être à ma maman ça, mais c'est je crois un sérum, qu'est-ce que j'ai? Je crois que c'est un sérum pour les peaux vieillissantes et tout. J'ai eu du coup un gommage trop bien, genre marc de café et tout. Un masque pour les yeux. Moi j'ai eu pas mal de trucs. Moi j'ai eu ça. J'utilise pas trop, mais en vrai c'est pratique pour l'avion, tout ça. Moi j'avais eu ça, j'avais déjà dû vous montrer un rouge à lèvres Marc Jacobs, trop beau. J'ai eu ça, du coup, trop trop cool. La base Fenty Beauty. Enfin, vraiment des trucs trop bien, quoi. Genre, je suis hyper contente. J'avais celui-là, ils sont hyper bons. Enfin, bref, vraiment trop trop bien ce calendrier de l'avant. Du coup, je suis hyper contente. Et bah écoutez, je vais bientôt partir, donc je vais faire mes tenues de la semaine. Je vais mettre ce manteau là, je préfère comme ça rend. C'est du coup une petite fourrure comme ça qui vient de chez Zara, où j'avais payé pas cher du tout l'an dernier. Comme vous avez pu voir, je suis allée à Columbus et après, entre temps, je suis rentrée, je suis passée chez Ma après pour finir un peu les cadeaux et là on va chez Picard. Là on est vers les Carmes et du coup vers là-bas il y a le Columbus où j'étais tout à l'heure. Entre temps, du coup, je suis repassée chez moi, j'étais téléphoné à Bouygues. Là je suis passée chez Emma, je me trouvais tout à l'heure. J'ai pris des trucs en fait pour le Noël secret avec mes copines, pour une de mes copines du coup. Je me suis acheté un bullet journal et là en fait on passe chez Picard parce que ce soir avec mon chéri on se fait genre soirée, genre repas de Noël, du coup c'est cool, et le Picard est juste là. Je suis jamais allée alors qu'en fait il est juste à côté de chez moi. Là on est beaucoup plus du côté en fait là-bas, il y a le rue de Metz, du coup avec Alsace-Lorraine et Capitale au fond, et en fait jamais, on vient pas du tout souvent vers là, mais vers ici c'est plus le côté des Carmes, etc. Et c'est hyper sympa. Mais c'est pas du tout la même architecture de Toulouse en fait, c'est drôle. Donc ça y est, je suis rentrée, je vais ranger un petit peu les courses, tout ça. Ce qui me reste à faire du coup là en soi, c'est monter ma vidéo pour vous la poster. Donc est-ce que j'aurai le temps, je ne sais pas. Et je voulais aller au sport ou aller courir ou quoi. Ça c'est pareil, est-ce que je vais avoir la motive, je sais pas, parce que de toute façon je vous en parlerai demain. Demain en fait j'aimerais, vu que j'ai l'après-midi un peu plus tranquille aussi. Donc en fait j'aimerais envelopper tous les cadeaux de Noël et du coup vous parler pendant ce temps un peu en mode chit-chat, get ready with me, mais plutôt en mode... j'enveloppe les cadeaux et je chit-chat en même temps. Bref. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté là. Pendant que je vais ranger les courses. Là, j'ai pris ça pour le Père Noël secret. C'est une tasse avec un L. Un petit carnet et tout ça. C'était pour que ça aille bien ensemble. Et moi, je me suis acheté ce bullet journal là. Parce que j'en voulais un nouveau. Et chez Picard, du coup, on a acheté ça. 4 mini gratins aussi. On a acheté, voilà, 2 cailles farcies au foie gras de canard. Et des mini apéritifs. Après on a acheté aussi ça en dessert. Et du foie gras et ça, même si je sais que c'est pas bien du tout, désolé, désolé. Bon, je me suis mis un peu en mode pyjama, du coup je me suis pas démaquillée encore. Je vais allumer toutes les jolies petites lumières et de toute façon je terminerai ce vlog demain. Parce que bon là, il sera pas terminé du tout. Je vais au moins sortir mon ordinateur et exporter ma vidéo pour mon rendu. Parce que ça c'est assez important. Et du coup là on est en train de faire chauffer les trucs. Là il va y avoir bientôt les petits feuilletés genre de l'entrée qui sont prêts. Du coup on va se foutre sur la table ou quoi. Et on va commencer.
mais je vais au moins déjà exporter ma vidéo d'art plastique. Donc en gros ce que j'ai fait, c'est une vidéo en fait en art plat, on devait un peu réinterpréter, enfin je sais pas, faire une vidéo en fait, on avait plusieurs moyens, du coup la photo, la vidéo, plusieurs expressions en fait, plusieurs moyens de la faire, la peinture, le dessin, tout ça, un peu de réinterpréter notre habitation. Et du coup moi je me suis concentrée sur la vue de ma fenêtre et j'ai fait une vidéo un peu qui joue avec différentes perspectives sur le temps qui passe. Voilà en gros, et demain en gros c'est le rendu, donc ceux qui ont fait de la peinture, ils ramènent leur peinture, tout ça, avec un carnet de bord. Et du coup aujourd'hui j'ai terminé le montage de la vidéo et le carnet de bord de 10h à 13h. Et après bah, j'ai rendez-vous chez la naturopathe et après l'après-midi je suis un peu plus tranquille. Donc faudrait que je bosse un peu les parcelles que je commence et aussi que bah, je vous filme la vidéo. Voilà tout ce que je dois faire aussi de manière générale, parce que bah, samedi je me fais tatouer et dimanche bah, je rentre pour les fêtes chez mes parents. Du coup ça va être cool. Hello les gars, donc je continue un petit peu ce vlog. En fait il faut que j'enveloppe le cadeau de Noël d'une copine et donc je me suis dit pourquoi pas l'envelopper, vous parler en même temps un petit peu, vous faire un petit update. Comme je vous avais dit, j'arrive pas, comme je vous avais dit la dernière fois, je crois que je vais, mais de toute façon je suis trop con, je vais envelopper un cadeau. J'ai pas de scotch, j'ai pas de ciseaux, je vais forcément en avoir besoin. Avec mon copain on a acheté des, chez Primark, des papiers cadeaux genre trop beaux. Il y a celui-ci. On savait pas si on prenait un truc genre hyper kitsch et tout ou un truc un peu mignon. On a fait un peu entre les deux, mais celui-ci genre j'ai trop kiffé, c'est un truc un peu naturel avec des rênes et tout. Genre je le trouve hyper beau. Et on a pris un autre rouge, vous savez, un peu le motif rouge de base, tartan là un peu, mais qui brille. Du coup il était sympa, je vais aller chercher un ciseau et du scotch. Si je suis pas sûre du tout d'avoir du scotch. On va partir sur du scotch vintage parce que bah, j'ai plus ça. Mais bon écoute, ça ira. Bah voilà, écoutez, du coup je vais envelopper un petit peu tout ça et j'avais envie un petit peu de vous parler, j'espère que vous me voyez tout ça, vous donner un petit peu un update de, bah, je sais pas, ouais, pourquoi pas, juste vous parler un peu. Donc en gros là je vous filme ça, on est le jeudi de ma dernière semaine de cours, donc là je termine comme les lycéens, tout ça, les études, enfin les études, mon semestre là le 21 et en fait ça a l'air du bruit en fait. Et bah donc pour remettre un petit peu toutes les choses dans son contexte, moi je suis actuellement du coup en école d'archi, en L2 pour ceux qui sont pas au courant ou quoi. En fait ce semestre là se passe pas extrêmement bien, j'ai beaucoup de mal à retrouver je sais pas toutes mes habitudes de vie comme j'avais l'an dernier. Donc j'habite avec mon copain du coup depuis la rentrée et en fait c'est super d'habiter ensemble tout ça. Mais je sais pas en fait, le semestre fait que j'ai l'impression de pas avoir de temps pour moi. Que du coup quand je rentre le soir j'ai envie juste de profiter un petit peu avec mon chéri. Et en fait voilà je sais pas, j'ai l'impression que j'ai vraiment pas de temps pour moi ce semestre. Et c'est assez dur à gérer. Je vis assez mal les études je vous avoue. Je sais pas en fait, là je suis pas du tout épanouie. En plus j'ai qu'une envie c'est de partir voyager, de déménager loin et de m'expat. Et j'ai envie de plein de choses et de monter des projets et de plein de choses. En fait je vis pas très très bien les études. J'ai vraiment l'impression que ça me prend tout mon temps pour quelque chose qui ne me passionne pas. Je dis pas que j'aime pas l'archi, mais c'est pas non plus ma passion au point de d'autres personnes. En fait je sais déjà ce que j'aimerais faire après les études. Et du coup en fait c'est ça qui est dur. J'aimerais pas être archi, ben voilà, faire des maisons ou faire des hôpitaux ou quoi. Je sais déjà ce que j'aimerais faire et du coup c'est pas facile d'attendre et de savoir ce qui va me servir et ce qui va pas me servir. En fait il y a des matières qui me servent et il y a des choses, j'ai l'impression que ça va pas me servir parce que ça rentre pas en, avec mon projet pro. Et voilà, et plein de choses. En fait j'ai hyper envie de partir à l'étranger. Et ben en fait j'ai un peu du mal avec les profs à chaque fois que j'ai chaque année. Et voilà, en fait, il y a plein de choses qui font que ben, je sais pas, en ce moment, je kiffe pas de ouf mes études et j'ai pas le temps d'aller au sport et je me trouve pas le temps non plus. C'est pas juste une question de j'ai pas le temps, c'est une question que je trouve pas spécialement de temps. Et je lis plus spécialement et pareil, voilà, j'aimerais bien faire plus de vidéos, tout ça, parce que c'est quelque chose qui me permet vraiment de relâcher la pression des cours. Mais c'est la même chose, j'ai l'impression que j'ai pas le temps. Le peu de temps que j'ai, je l'utilise pour dormir parce que je suis crevée, que je dors 4-5 heures par nuit. Enfin... je sais pas, je vous avoue c'est vraiment compliqué ce semestre et du coup bah, ça fait que j'ai envie de faire plein de vidéos pour YouTube tout ça et je trouve pas spécialement le temps. Et en fait voilà, c'est vrai que, mais il n'y a pas que moi, mais on est pas mal en ce moment à être un peu en, bah, en dep un peu à cause des études, genre c'est pas facile à vivre là et ça me saoule.
Donc clairement ça me saoule en fait de mal vivre mes études, parce que moi je pars du principe où chaque jour, chaque chose que vous faites, vous êtes censé être heureux, et en fait en ce moment c'est pas le cas. Donc je cherche un peu comment faire pour que ça aille mieux, je cherche des solutions, mais bon voilà, c'est un peu compliqué. Donc je vous avoue que les vacances de Noël je les attends avec impatience, sauf que ça va être révision du projet, ça va être révision des partiels. À la rentrée j'ai une semaine de partiel, et après ça va être le projet, ça va être rendu projet non-stop, et puis après ça j'ai un intensif, ce qui fait qu'en fait nous on n'a pas de vacances les L2, donc c'est assez compliqué, enfin pas de vraies vacances, parce qu'en soi j'ai des vacances là à Noël, mais perso c'est pas du tout ce que j'appelle des vacances, parce qu'on va les passer à réviser nos partiels. Je veux dire une vraie semaine de vacances, ou genre une semaine d'intersemestre, on n'en a pas. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que je vis pas forcément très bien cette année, et donc j'ai un peu du mal à vous faire des vidéos. C'est vrai que par sur Insta vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en mode c'est trop bien, tu me motives à m'organiser, tu me motives à être plus productif, tout ça. Et en fait ça me saoule, parce qu'en ce moment moi je perds ça et ça me saoule. C'est j'adore faire plein de choses et etc etc, et là en fait je perds tout ça. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire en fait. Je vous regarde même pas depuis tout à l'heure, mais à part vous dire qu'en fait en ce moment ben, niveau moral ça va pas, et je sais pas trop comment faire pour que ça aille mieux, parce que voilà, je vis pas spécialement bien tout ça, et ça me saoule, parce que j'aimerais bien, bien vivre tout ça, et être heureuse dans ce que je fais chaque jour, et c'est pas le cas. Et bah en fait arrêter les études c'est pas non plus une solution, vous voyez, enfin je sais pas trop quelle serait la solution, mais je sais qu'en tout cas là il faudrait que je fasse quelque chose. Du coup j'aimerais vraiment en fait à la rentrée, en fait je pense que là il me faudrait vraiment, je suis en train d'envelopper, j'ai enveloppé le petit carnet comme ça, ça fait joli, je crois que je vais faire 3 emballages, je voulais en faire qu'un mais je vais en faire 3, ça rend mieux. Et en fait je pense que déjà je suis en hyper gros manque de sommeil, et je suis hyper fatiguée tout ça, donc je pense que là en fait il faut que, déjà il faut que je m'autodiscipline vraiment. Mais donc là je pense que je vais profiter vraiment de ces vacances pour me ressourcer un peu, passer du temps avec ma famille et arrêter d'avoir la pression tout le temps, parce qu'en fait le souci c'est qu'aussi du coup j'ai des gros problèmes de stress, et du coup ça engendre plein de choses au niveau physique, sur mes soucis d'estomac, tout ça, parce que je sais pas si vous êtes au courant, j'en avais déjà parlé, mais en fait j'ai des problèmes au niveau du ventre depuis toujours, et du coup je vois plusieurs médecins, j'ai des régimes particuliers, j'arrive pas du tout à les tenir, et pour plein de choses. Et en fait là je pense que j'ai vraiment besoin, je pense que c'est quelque chose qui me ferait vraiment du bien, tout d'abord de prendre du temps pour moi, pour me reposer, parce que je suis en gros manque de fatigue, parce que j'ai tout le temps la pression. Déjà prendre du temps pour moi, et à la rentrée déjà essayer de reprendre une routine comme j'avais l'an dernier, routine un peu self-care, et qui fait que je suis plutôt mieux en fait. L'an dernier j'avais réussi à, je sais pas, je lisais, j'allais au sport, je bossais YouTube, je bossais les cours, au final j'avais trouvé une routine qui était plutôt pas mal, et là j'ai hyper du mal à la garder cette routine, je l'ai pas gardée du tout d'ailleurs. Je me suis inscrite à une salle de sport, j'y vais jamais, ça m'énerve parce que j'ai hyper envie d'y aller, mais en fait j'ai la flemme de tout, j'ai aucune motivation pour rien, mais pour rien, et c'est hyper triste, même pour les seules choses que d'habitude me plaisent. J'ai aucune motivation pour rien. Je suis tout le temps fatiguée, j'ai envie de rien faire et j'ai pas le moral. Donc en fait ça me saoule, parce que si t'es comme ça un jour ça va, mais si t'es comme ça genre tout le temps, c'est hyper pesant en fait d'être comme ça genre pendant des semaines et des semaines sans arrêt. Donc je crois que je suis pas la seule à être dans ce cas là, mais c'est pas une période facile à vivre pour moi en tout cas. Et donc ça me saoule. Donc là après les vacances de Noël j'aimerais vraiment me reprendre en fait, m'autodiscipliner, reprendre une routine... une routine sérieuse et motivante et tout ça. Donc écoutez, de toute façon je pense que je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, mais je pense que voilà, là j'ai besoin de changements en même temps. Je vais pas en parler parce que je vais pas me porter de mauvais oeil, je préfère pas parler de mes projets tant que rien n'est réalisé, mais là j'ai besoin de changements, et donc je pense que l'année 2020 va y avoir des changements, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais je pense que 2020 va y avoir pas mal de changements au niveau de ma vie, qui vont faire que je me sentirai mieux, parce que là, c'est un peu chiant. Je sais pas vous, comment vous allez en ce moment, mais pour avoir parlé à certains d'entre vous, pour voir un peu mon entourage, j'ai l'impression que tout le monde, c'est un peu compliqué cette période, et c'est vrai que moi, ça m'arrive pas trop d'habitude. Moi je suis plutôt quelqu'un qui adore cette période de l'année, et donc là ça me fait bizarre un peu, j'ai l'impression de pas profiter du tout de cette période de Noël, parce que parce que j'ai pas le moral, et c'est pas facile à vivre, je vous avoue.
Là, je vous en parle parce que, bon, voilà. Super, ça fait 9 minutes que je parle. Au niveau de mon acné, j'en parle pas hyper souvent. Je suis en train d'enlever le truc, du coup, j'en parle pas du tout. Je suis hyper désolée. Mais voilà, en fait, au niveau de mon acné, ça va pas du tout non plus en ce moment. Et c'est un sujet pour, je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai eu des gros soucis d'acné. C'est quelque chose qui me fait énormément de mal, qui me fait énormément perdre confiance en moi. Et je pense que, à part si vous avez déjà eu de l'acné sévère, vous pouvez pas forcément comprendre. C'est quelque chose vraiment... c'est un sujet qu'en fait, si on n'a pas eu de l'acné, on comprend pas spécialement. Mais voilà, moi j'ai eu... j'en ai pas trop parlé, ben vraiment vaguement. Mais en fait, j'ai toujours eu de l'acné sévère. Ça va faire 10 ans que j'ai de l'acné. Non, attendez, 20 ans, j'abuse un peu. Mais ça fait bien 8 ans que j'ai de l'acné sévère. Et en fait, ben en fait, je me tape des périodes où ça va, puis ça va plus. Ben parce que j'ai fait Roaccutane 2 fois. Roaccutane cure acné, pour ceux qui connaissent sous ce nom-là. J'ai fait Roaccutane 2 fois. J'ai pris pendant longtemps Diane 35. J'ai été sous Androcure. Donc en fait, c'est tous les trucs les plus chauds sur le marché. Et au final, ben, j'en ai marre d'être sous pilule et sous tous ces trucs-là. Et donc au final, ben, j'ai tout arrêté d'un coup. Et ça allait plutôt bien pendant un moment. Puis ça revient petit à petit. Ben, parce que normal, je suis sous pilule depuis que je suis au collège. Donc en fait, d'avoir arrêté la pilule, ben, parce que j'en avais marre d'avoir... de prendre des hormones à H24. En fait, je voulais voir comment se portait mon corps de lui-même. S'il faut, j'étais plus acnéique, tout ça. Ben, au final, ben, si... Et je le vis pas spécialement bien, du coup je vais voir une naturopathe en espérant que ça ira. Mais voilà, il n'y a rien de sûr. Donc ça me saoule un petit peu. Voilà comment j'ai enveloppé la tasse, c'est hyper drôle. Je vais mettre un bout de scotch au fond. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui fait que ça va pas super bien. Au niveau alimentation, je fais n'importe quoi en fait, je fais vraiment n'importe quoi. Et bah, ça joue énormément sur mon moral, moi, l'alimentation. Si je mange bien, je suis pas ballonnée, j'ai pas forcément de soucis d'estomac, tout ça. Bah, au final, je me sens mieux, je me sens en forme et tout. Et si je mange pas très très bien, quand je fais pas du sport, et bah, je réagis hyper mal. Et en fait, y a rien qui va et je suis vraiment quelqu'un qui a besoin d'avoir une routine en fait hyper productive. En fait, si je fais rien de mes journées, je suis pas bien. Voilà. J'ai l'impression d'être tout le temps dans le rush et d'être tout le temps sous pression et de n'arriver à ne rien faire. Vous savez, quand vous avez genre 10 000 trucs à faire et que vous savez pas par quoi commencer, au final vous faites rien et en fait j'ai l'impression que les journées servent à rien. Bon voilà, écoutez, ce vlog n'est pas terminé. Je vais continuer un petit peu, j'aime bien vous faire des vlogs un petit peu longs. Mais j'ai terminé d'emballer mes 3 petits cadeaux, je vais les mettre dans un sac et puis je vais partir parce qu'avec mes copines, du coup, comme je vous ai dit, on va faire le Secret Santa, on va aller prendre un petit goûter dans un petit café tout ça de Toulouse et s'offrir les petits cadeaux. Et donc je suis super contente, j'ai hâte d'offrir mon cadeau et voilà. Oh, et j'avais oublié, c'est le moment, je me suis acheté ça hier, il était trop beau, bon vous l'avez vu, mais j'ai très envie de le commencer, mon bullet journal, genre j'adore, il va très très bien avec mes ongles, mais j'ai hyper envie en fait d'ouvrir mon calendrier du jour. Aujourd'hui on est le 19, ici, je suis hyper triste, Noël c'est super bientôt, et je suis, niveau mood de Noël, j'ai un peu du mal à vu que je suis accaparée par les cours. On ne voit rien, c'est super. Du coup, crème revitalisante. Elle est pas pour les mains, elle est tout court. Nuit après nuit, la peau est plus lisse. Ok, super, elle est top. Hello les gars, donc je voulais juste clôturer ce petit vlog. Pour ceux qui sont arrivés jusque là, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Là vous me voyez sans maquillage, c'est quelque chose qui arrivera très rarement hein, parce que je suis pas hyper à l'aise. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais m'excuser un petit peu pour cette petite séquence qui était juste avant de down, où j'expliquais un petit peu mon mood du moment. Bon voilà, ça arrive d'avoir des moments de down en fait, et je me suis dit que c'était important peut-être de vous en parler, que pour montrer que ça arrive à tout le monde. Et ben voilà, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous. Donc là on est le 24 décembre, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous la regarderez en entière, tout ça. Enfin de toute façon, si vous en êtes là, vous l'aurez vu en entier. Et bah voilà, je voulais vous faire des bisous, vous souhaiter un joyeux Noël parce que j'avais pas clôturé ce vlog. Voilà, profitez à fond de votre famille, de vos amis, profitez de chaque instant, mangez pas trop sinon après vous serez trop ballonnés. Mais faites-vous plaisir, pensez pas au poids ou j'en sais rien. Voilà, faites-vous plaisir, profitez à fond. Si vous avez des partiels, courage, ça va bien se passer, on est tous ensemble. Et si vous êtes en vraies vacances, profitez à fond, dormez, ça fait du bien. Voilà, on est le 24 décembre, je vais passer la journée en pyjama de Noël comme là, devant des films, envelopper les cadeaux et bosser un petit peu mes partiels. Mais un petit peu juste parce que j'ai envie de faire des gâteaux et de profiter de ma famille et mon copain et tout. Je vous reprendrai pour un autre vlog pour la suite des vacances, pour vous montrer un petit peu les cadeaux de Noël et faire un petit update, tout ça. Mais voilà,
Je vous fais de gros gros bisous et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go.